Ancora proteste, manifestazioni e momenti di tensione a Parigi e in molte altre città della Francia dopo che le due mozioni di sfiducia sono state bocciate. Il governo è sopravvissuto e la discussa riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron, che prevede l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, è stata definitivamente adottata dal Parlamento e ora dovrà passare al Consiglio Costituzionale. Il y a énormément de jeunes, mais parce qu'on pense que c'est un sujet qui ne nous concerne pas, mais alors qu'en fait, justement, si aujourd'hui nos grands-parents ils vont devoir arrêter tout à fait tard, nous on sait que ce sera pire, puisque en gros c'est le chemin qu'on prend depuis une vingtaine d'années avec des politiques de plus en plus libérales et qui répondent au capitalisme, alors que nous on décide que c'est le peuple qui compte avant tout. Et c'est trop important parce qu'on s'est foutu de nous, on voit pas l'avenir. Et le peu d'avenir qu'on peut entrepercevoir avec les droits sociaux qu'on avait avant, qu'ils sont en train d'être cassés, on nous l'enlève. C'est pour ça qu'on est là. Et voilà, c'est la radicalité du mouvement qui fera plier la chose et Macron. Macron a ouvert une brèche qu'il n'est pas prêt de refermer en tout cas. A Parigi, oltre un centinaio di persone sono state arrestate dopo alcuni scontri con la polizia. Intanto il leader dell'Eliseo ha dichiarato che l'invecchiamento della popolazione francese rende l'attuale regime pensionistico insostenibile. Ma le tensioni e la rabbia dei francesi restano e questo giovedì è prevista una giornata di sciopero nazionale.